Aujourd'hui, nous allons traverser l'une des routes les plus isolées et dangereuses du monde. La mythique route du Pamir. Personne n'a envie de vivre ici, personne. C'est horrible cette route. Y'a quelqu'un ? Cette route, elle est pas mythique pour rien. On dit que cette route traverse le temps et l'espace, et que les parois abruptes de ses reliefs faisaient trembler les caravanes de l'ancienne route de la soie. T'arrêtes pas. Surtout pas que t'arrêtes. Il y a des cailloux qui viennent de tomber sur le pare-brise. Je trouve ça horrible. Nous irons aux confins de ces vallées pour rencontrer les peuples reculés de ces montagnes qui perpétuent les premières traditions de l'humanité. Et après de nombreux kilomètres le long de la frontière afghane, il sera temps pour nous de rencontrer enfin le peuple afghan. On vient de quitter la frontière afghane. Encore un voyage inoubliable, mais cette fois sur le toit du monde. C'est ici que débute l'aventure la plus isolée de notre voyage en stop, dans un no man's land de 50 km entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, que seuls les voyageurs peuvent traverser à cause des tensions entre ces deux pays. Mais nous avons la chance de débuter cette aventure avec des amis voyageurs, avec qui on découvre rapidement dans quoi on vient de s'embarquer. Attention, tenez-vous ! En fait, le van aménagé dans lequel ils vivent depuis 5 ans avec leurs 3 enfants n'est pas assez puissant pour démarrer sur les pentes escarpées de ces pistes perchées à 4000 mètres d'altitude qui sont déglinguées. Oh, t'arrêtes pas. C'est l'aventure avec les grands, j'adore. Ça te stresse. Cette route, elle est pas mythique pour rien. Elle est compliquée. Donc on va tous sortir. Ils vont se mettre en 4 roues et essayer de passer. Mais c'est vrai que la route, elle est ultra défoncée. Et puis c'est l'altitude, on est à plus de 4000 mètres. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. C'est maintenant, Sylviana. C'est maintenant, on démarre. C'est rigolo, on vient de quitter le Kirghizistan comme dans un film d'action. Ça a vraiment été compliqué là, de passer cette piste, mais ça y est, on est en descente. Il nous reste 1 km et on va enfin rentrer au Tadjikistan, un pays qu'on a tellement hâte de découvrir. C'est un pays couvert à 99% de montagnes et on adore ça les montagnes, donc je pense qu'on va vraiment se régaler. Alors que nous avançons sur les 1250 km de cette route mythique qui relie Osh, deuxième ville du Kirghizistan, à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, nous longeons l'immense lac de Karakul. Il s'est formé suite à l'impact d'une météorite il y a 25 millions d'années. Au bord de ce lac perché à 4000 mètres d'altitude, on passe entre les maisons d'un petit village très isolé et peuplé par des pamiris. Le prochain lieu de vie est à plus de 120 km d'ici. L'hiver, les températures chutent en dessous des moins 30 degrés et même au mois d'août, il peut neiger la nuit. Bienvenue sur la route du Pamir. Grosse piste aujourd'hui. On a roulé 8 heures en fait. On a fait 150 km, un truc comme ça. Aujourd'hui, on a croisé plus de cyclistes que de voitures. Incroyable de pouvoir faire ça en tout cas avec nos amis voyageurs qu'on a rencontrés lors de notre premier mois de voyage en Turquie. Et voilà, maintenant on est tellement excités de pouvoir enfin commencer à découvrir le Tadjikistan. Avant de continuer, il faut vraiment qu'on vous parle du partenaire de cette vidéo. Vous le savez, on adore partir à l'aventure, mais soyons honnêtes, rester connecté à internet en arrivant dans un nouveau pays, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Que ce soit en arrivant à l'aéroport ou en traversant une frontière terrestre comme nous, c'est souvent la même histoire. On se retrouve soit à la recherche d'un wifi public ou d'une carte SIM locale et ça peut vite nous faire perdre du temps et beaucoup d'énergie. Eh bien, on a récemment découvert la solution qui va vous simplifier la vie, ça s'appelle Celi. C'est une application qui va vous permettre d'installer une eSIM directement sur votre téléphone. Comme ça, vous êtes connecté à internet dès votre arrivée dans le nouveau pays, sans stress, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Par exemple, on prépare notre prochain voyage au Pakistan. Donc je choisis le pays parmi une liste de plus de 160 destinations. Je choisis notre forfait. Et juste avant de payer, je rentre notre code de réduction, la Nigérie, pour bénéficier de 15% de réduction. Et voilà, la eSIM est prête et elle s'activera automatiquement dès notre arrivée au Pakistan. Donc si vous partez bientôt ou que vous préparez un voyage à l'étranger cette année, téléchargez l'application Celi. Maintenant, vous avez vu, c'est très rapide et pratique. Vous avez 15% de réduction avec notre code LANEGERI. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Nous, on vous laisse, on a un nouveau pays incroyable à découvrir.
Après 150 km de pistes difficiles dans des paysages lunaires, nous arrivons dans la première ville du Pamir, où il est temps de dire au revoir à nos amis nomades, les Lamours en vadrouille qui portent si bien leur nom. Merci beaucoup. La communauté voyageurs, c'est ça. C'est trop gentil. Donc là, nous sommes à Mourgab. C'est la première grande ville qu'on croise au Tadjikistan. Et donc là, la suite du programme, ça va être de faire de l'autostop sur cette fameuse route du Pamir. Et on vient de croiser toute une équipe de cyclistes qui vient de faire dans le sens inverse. Et ils nous ont dit qu'ils croisaient 10 voitures par jour. Autant vous dire qu'en autostop, je pense que ça peut être long. Donc il y a quand même une petite appréhension. Il n'y a personne. Donc là, c'est notre première vraie session d'autostop sur cette route. On s'est levé très tôt ce matin pour essayer de ne louper aucun véhicule. Et pour l'instant, on a croisé quelques camions. 5 camions en tout. Et on a combien ? 250 km à faire pour rejoindre la prochaine ville. Et je pense que ça va être le plus gros défi pour l'instant du voyage en autostop. Hein. Petit Caribe encore. Et petit Caribe. Hi. Hi. What's your name? Lena. My name is Ramia. My name is Sapaivek. Sistra, brat? Нет. Нет? Друг? Да. Okay. I am six years old. Ils sont trop mignons. Il y a tous les enfants qui sont en train d'arriver. Hello. 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 Non, je suis pas maman, moi. Allez, s'il te plaît, camion. Allez là, les camions. En vrai, on peut mettre plusieurs jours avant de trouver la première voiture. Donc on compte sur les camions, mais ils ne semblent pas vouloir s'en aller. Ahmed. Ahmed. On sait pas où il va, mais on y va. Ça fait déjà 3 heures qu'on est parti, qu'on est sur la Pamir Highway et la route est horrible, on est dans le camion, ça secoue dans tous les sens. On doit rouler à peu près à 20 km/h et on devait s'arrêter à Korog à 200 km mais finalement on va abandonner parce qu'il y en aurait pour 15-18 heures à ce rythme là. Et on va s'arrêter à une ville entre deux qui s'appelle Alishur et ça évitera de rouler jusqu'à 1h ou 2h du matin. Et sinon dans les paysages ouais, c'est très désertique, il y a quelques troupeaux, quelques bergers, des petites rivières. Ça y est, on commence notre troisième journée sur la Pamir Highway et il n'y a personne. Il y a quelqu'un ? Ça fait 1h30 qu'on est là. Hier, on s'est arrêté vers 21h et en fait, le camion qui nous a conduit toute la journée, il a éclaté son pneu. Enfin, il fallait déjanter et rejanter un pneu de camion. J'étais à coups de masse, de levier, enfin... On n'a jamais pris des routes, je crois, aussi défoncées que aussi celle-ci. Ouais, aussi longtemps, quoi. On est dans des paysages ouais. Complètement lunaires, désertiques, arides. Il y a une voiture qui arrive, j'espère qu'elle va nous prendre. Elle arrive. Ah, thank you. Bon. J'ai le levier de vitesse entre les jambes. Troisième jour sur la Pamir Highway. On trouve des véhicules rapidement, on a de la chance. Je pense deux fois plus vite qu'avec les camions. On est dans une petite camionnette qui transporte deux chèvres et des blouses. Nos sacs sont posés sur les blouses. Il nous a déposé au milieu du village, le gars. Paka ! Paka ! Paka ! Bon voilà, les enfants nous ont emmenés jusqu'à un pont. Le pont de la mort. En fait, c'est trois câbles en acier et des bouts de bois. Je pense qu'il faut juste marcher sur les câbles et c'est bon. En fait, c'est pas très rassurant parce que c'est des bouts de bois tout petits. Et en dessous, il y a une bonne rivière quand même. Oh, il y a un trou. Oh. J'ai hâte de voir Léna faire ça. Elle est pas très rassurée. C'est chaud, hein. Je crois que je tremble un peu. J'ai l'impression d'avoir fait de l'acrobranche sans baudrier. On est dans un magasin, et à la caisse, on a vu ça au rayon des rasoirs. C'est un rasoir Poutine, made in China. Et c'est lui. Et nous voilà à Korog, la capitale du Pamir. On continue notre route sur la Pamir Highway. Et sur la route, on va aller dans la Bartang Valley. Pour rencontrer les Pamiris. C'est une vallée qui est réputée pour ses villages très isolés et ses pistes très difficiles aussi. Ça y est, on est sur la route là, on est en train de longer.
la frontière de l'Afghanistan. Et en fait, on voit les petites voitures, les maisons, on voit les gens dans les champs. D'habitude, les frontières, tu sais, c'est un peu de désert, on voit juste des barbelés. Mais là, on voit carrément les vides villages du côté de l'Afghanistan. C'est assez impressionnant parce qu'en gros, il y a peut-être 30 mètres de rivière et il n'y a pas du tout de grillage. C'est-à-dire qu'une petite brasse et on est en Afghanistan. Oh là là, ça fait trop bizarre d'être si proche de ce pays. Et on a vu que tout le long de cette route, il y a plusieurs marchés où ils ouvrent en fait la frontière et il y a des Afghans qui viennent au Tadjikistan pour s'échanger des produits. Ouais, ce serait bien de pouvoir assister à ça. Salam alaikum. What's your name? My name is Yusuf. Jerry. Tom. Nice to meet Tom. Nice to meet. No, Lena. Lena? Yes, Tom et Jerry, but Lena. Meet Jerry. What language you speak? You speak Tajik? Pamir, Russia, Iran, Afghanistan, English, six languages. Amazing, bravo. L'hiver, la rivière, elle est gelée. C'est encore plus facile de passer de l'autre côté, ils ont juste à marcher. Vraiment, il y a, je sais pas, 50 mètres entre les deux pays. Il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de militaires. Il a dit des fois, il y a des gens qui viennent boire un thé et ils reviennent. Ouais. Regardez les cailloux, il y en a qui tombent parfois. Swimming here. Non. Mais en fait, on voit que du côté de Tadjik, il y a plein de murets en pierre pour que les militaires puissent se poster et pointer les armes vers l'Afghanistan. Notamment en 2021, quand les talibans ont envahi l'Afghanistan. Il y avait des militaires russes et Tadjik qui étaient postés partout le long de la frontière pour éviter qu'il y ait des Afghans qui s'enfuient vers le Tadjikistan. On a découvert pourquoi Youssouf parlait anglais. Ça fera des profs d'anglais. Il est ambulancier et il gagne 1000 somonis par mois. Par rapport au prix qu'on voit dans les shops, c'est pas grand-chose. Bah, et puis le prix de l'essence ici, c'est plus d'un euro. Thank you very much, Youssouf. Bye bye. J'ai adoré cet autostop. On a appris plein de choses. Ah, ça m'a ému cette route. À toi. C'est vrai de voir des Afghans après tout ce qui s'est passé là-bas. On a un petit fou rire là. On vient d'acheter ces glaces qui sont alléchantes. Trop bonnes. Et regardez, elle est trop moche. À quel moment on nous ment comme ça? Je vais manger un truc en forme de déo. Avec 1 mm de chocolat. Alors que je m'attendais à un truc génial, genre une magnum. Voilà, ma paka paka. Paka. On se dirige vers un village qui s'appelle Gizev, très joli apparemment et surtout qui est très isolé puisqu'il n'est pas accessible par la route. Il faut marcher 2 heures pour s'y rendre. Voilà, c'est dans une petite vallée, ça suit une rivière. Allô. Nous passons de voiture en voiture à travers ces montagnes rocheuses abruptes qui veillent depuis toujours sur les habitants des vallées. Let's go. Il est parfait. Puis, une bonne marche nous attend pour atteindre ce village perché sur le toit du monde. Nous sommes arrivés dans la vallée de Gizev, dans le tout premier village. Et voilà, on est chez Lola Guest House. Et ce soir, on va manger un bon petit repas. Déjà, là, ils nous ont accueillis avec plein de petites choses. Bon, là, la nuit est en train de tomber, mais déjà, le peu qu'on a vu de ce village, ça a l'air très, très charmant. On a hâte de voir ça demain. Pamir, spasiba. Rolor. Rolor. Thank you. On va rentrer dans la chambre à présent. Ça, c'est vraiment les lits typiques de l'Asie centrale dans les maisons. Ces grosses couvertures épaisses. Là, par exemple, ils en ont mis 2, mais si on trouve que c'est pas assez confortable, on peut en rajouter. Et on va très bien dormir. J'ai tellement hâte de découvrir tous ces petits villages là. Ouais, moi aussi. Le village de Gizev nous apparaît dans la lumière dorée de l'aube. Celui-ci se dresse le long d'une rivière opaline, une ligne de peinture entre les montagnes qui touchent le ciel. Un refuge où l'homme et la nature partagent un souffle commun. Bon voilà, on se réveille dans la vallée de Gizev. Le soleil arrive très tôt le matin sur tout le petit village. Incroyable cet endroit, c'est très hyper mignon. Paisible. Pour l'instant, on a vu qu'une personne, on a eu le temps de déjeuner et c'était très bon. Ce matin, j'ai demandé où est-ce qu'on pouvait se doucher. Je pensais que c'était dans la rivière, mais en fait, aujourd'hui, ça sera le luxe pour nous. On a ce seau d'eau chaude. Les Pamiris sont de grands maîtres de l'agriculture de montagne et ils s'harmonisent avec la nature. Ainsi, partout dans leur hameau s'étalent d'innombrables arbres fruitiers splendides et chaque espace est cultivé avec soin car leur amour pour la terre est ancestral. Здесь тоже хорошо жить, потому что здесь вот воздух чистый, вода чистая, ну природа очень хорошая. Здесь все тихо, все спокойно, поэтому мы живем вот здесь. Ахмат, абрикос. Oh. Donc là, le monsieur est en train de rouler une cigarette avec le tabac local qui pousse juste en face de nous, dans du papier de journal. En explorant la vallée,
on découvre qu'il y a une école et que celle-ci nous appelle. Alors on s'y rend pour découvrir comment on étudie dans un lieu si isolé. Good morning. Наша школа построилась в 1975 году. Состоит из двух маленьких классов. Мы учимся с первым по четвертый класс, а после пятого класса мы идем в Рушан, в интернат. Всего семь. В неделе у нас есть по два часа английский язык и три часа русский. Остальные родной язык, математика, скульптура, рисование. Bon, en gros, on est dans la seule école de tous les villages de la vallée, et il y a 43 personnes qui habitent dans la vallée, et il y a environ une dizaine de maisons, et ils font l'école, donc là il fait bon, mais même l'hiver, et on voit qu'il y a un poêle juste ici, ils allument le poêle et ils sont là dans cette petite pièce. After they come back in village? No. You go to the town. And in all Tajikistan, this uniform. Ah, Tajikistan. Les enfants, ils ont des petites cravates et les filles, elles ont des petits pompons dans les cheveux. Et elles ont toutes des tresses en fait. English book. School, Rabota, tout là. Direct. Иногда вот нас вот здесь построили вот медпунктов, а в следующем году у нас будет новая школа. Мы живем здесь, только вот дорога у нас. На машине нету 6-7 километров из моста до сюда ходим пешком и на ишаках таскаем. И иногда вот на спину можно таскать где-то 15-20 килограмм. И все, мы родились здесь. И c'était chouette, c'est la première fois qu'on rentre dans une école en voyage. Et ouais, ils ont école de 9h à midi et c'est tous les jours. Et après, bah, la journée, soit ils vont aider les parents, soit ils vont s'amuser dans la vallée. On a de la chance, on est tombé sur quelqu'un qui parle très bien russe parce qu'ici, soit ils parlent tadjik, qui est la langue nationale, et encore pas tous, soit ils parlent le pamiri ou une des langues du pamir parce qu'il y a, il me semble, plus de 8 dialectes différents. Parfois, une seule vallée a un dialecte spécifique. Ouais. En nous rendant au village voisin, nous longeons de nombreux petits cours d'eau façonnés par les mains des hommes pour irriguer toute leur terre. Ça m'apaise cet endroit. Mais ils ont plein de choses ici. Ils ont des fruits, ils ont des animaux, il y a de l'eau partout. Mais c'est pas parce qu'ils ont des salaires beaucoup plus bas ou pas de salaire du tout qu'ils sont pauvres dans tous les sens du terme. Au contraire, je pense que c'est des gens qui ont plein de choses à nous apprendre. What's your name? Alia. Alia? Alors, à chaque fois, ils commencent toujours par nous rapporter des petites choses à grignoter. Ils nous ont ramené du pain, la confiture aussi. On avait le choix entre thé vert, thé noir, du sucre. Et là, ils viennent de nous apporter une assiette, patates, pâtes, oignons, citrouilles, c'est très bon. On est bien là. Certains nous invitent à regarder leur maison, conçue pour résister aux hivers rigoureux. À l'intérieur, il y a très peu de mobilier. Elles sont principalement construites en pierre et en bois, avec des toits plats, recouverts de terre pour l'isolation. Les fenêtres sont orientées vers le sud pour maximiser la lumière naturelle et la chaleur. Donc là, on est dans l'une des maisons des habitants de la vallée. Et comme tu peux le voir, il y a plein de tapis partout, plein d'objets, plein de couvertures là-bas. Là, ils ont leur table à manger. Et ici, c'est le poêle en plein milieu de la pièce. Et ils ont la télé. L'après-midi, les enfants s'occupent de quelques chèvres, jouent et participent avec leurs aînés à toutes ces choses qui donnent vie à leur village. Soucieux de préserver la nature qui les nourrit, ces enfants de la montagne se chauffent peu au feu de bois. Ils privilégient plutôt les briques de fumier qu'ils fabriquent lors de la saison sèche pour affronter la rigueur de l'hiver. Il y a un monsieur qui vient de nous ramener du miel. C'est le miel de la vallée. C'est bon, c'est très bon. Yes, good, very good. Et on finira notre court séjour par ce moment de douceur. Ça t'a fait mal ou pas? Attention, attention! Notre petit séjour vers la Bartang Valley se termine. On est apaisé. On a rencontré des personnes très gentilles. Ils n'arrêtent pas, ils s'occupent du bétail, promener le bétail, nourrir le bétail. Ils sont toujours occupés, mais je trouve qu'ils ont l'air apaisés. Toutes les générations sont mêlées les unes aux autres. Ces villages, c'est comme une grande famille. Alors que le soleil commencera bientôt sa course derrière les grandes veilleuses de la vallée, il est déjà temps de quitter l'un des lieux les plus apaisants que nous n'ayons jamais vus.
À présent, il est temps d'aller rencontrer les Afghans. Mais pour cela, nous avons encore de la route. Donc là, les enfants, ils viennent de faire du stop pour aller à l'école, comme tous les jours, dans une voiture au hasard. J'adore. Thank you, sir. Batmat. Good luck. Bonjour. Bonjour. On est dans un supermarché, on voulait juste acheter des fruits. Et la dame nous a offert 500 grammes de raisin, du pain tadjik, et elle est partie nous faire un café. On est en face de la machine pour peser. On est en train de pique-niquer dans le supermarché. C'est une première. Elle est impressionnante. On est au milieu des montagnes, elles sont immenses. Parfois la route, on est juste au bord, là, sur la falaise. En dessous, il y a un énorme torrent. Non, c'est très très joli. Là, il a une calache. Et un drapeau taliban là-haut. Ouais. Et un taliban. On rentre dans une zone chaude là. Ouais. On voit pas à 10 mètres. Il y a des énormes rochers qui tombent. Bah, il y a des rochers qui sont tombés la semaine dernière. On connaît quelqu'un qui était là sur la route au moment où les rochers sont tombés. Et ils font la taille de voitures, enfin même parfois plus gros. C'est impressionnant. Ouais, ça fait flipper la paroi. Il y a des cailloux qui viennent de tomber sur le pare-brise, ça fait badé. Ouais, ça fait peur. Même les gars à l'avant, ils se sont protégés la tête comme s'ils allaient s'en prendre. Tu fais quoi s'il y a un caillou de la taille d'une voiture qui tombe sur ta voiture De l'autre côté, des hameaux verdoyants et quelques enfants qui jouent dans le fleuve torrentiel du Piange. D'une autre, quelques militaires qui patrouillent sur cette langue de poussière infinie. C'est certain, ce pays nous intrigue. Que vivent les Afghans de l'autre côté? Dans quelques instants, nous allons faire nos premières rencontres avec ce peuple. Et nous allons enfin pouvoir l'entendre, au-delà du sensationnalisme médiatique. Nous sommes excités et on se sent privilégiés, mais on le sait, ce sera court, trop court. On ne pense à rien d'autre, jusqu'à ce qu'une pelleteuse nous rappelle où nous sommes. Mais bon, le Pamir, sa forme et le chauffeur a le bon réflexe. Et nous voilà arrivés à Kailakoum. C'est horrible cette route. Ouais, mal au crâne. Fatigant. Le nez plein de poussière. J'arrête pas de me dire qu'il y a des gens, leur métier c'est de rouler sur cette route. Je trouve ça horrible. 5 heures pour faire 60 km. On s'arrête ici quelques jours pour se reposer et attendre le seul jour de la semaine où il est possible de rencontrer les Afghans. Ici, on s'observe de part et d'autre de la rivière, mais surtout, on se connaît. Les enfants jouent sur ces petites plages, les hommes discutent, et pour la première fois, nous apercevons les femmes afghanes parées de couleurs. Tout a l'air si paisible, loin des guerres, loin de la terreur. Si seulement nous pouvions aller dans ce pays, car on le sait, c'est bien la seule façon de le voir tel qu'il est. Thank you. Thank you very much. Bon, nous sommes samedi matin, près de la ville de Kailakoum. Et le samedi matin, ici, c'est le marché afghan. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul marché, il me semble qu'il y en a une dizaine, voire plus. Et en 2021, quand les talibans sont revenus en Afghanistan, les marchés avaient fermé et ça posait beaucoup de problèmes économiques des deux côtés, quoi. Donc ça a réouvert il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est parti, on va aller voir ça. Tu fais toutes les allées? Ouais, salam alaikum. Hello. Hello. Tajikistan? Bale. Smoti. Francus. Oh. Barusi nemeduni. Net net go as you are. Lena. Ah, хорошо, хорошо. Lena Jerry. Oh yeah. I'm from Afghanistan. Nice to meet you. Eh, where are you from? France. From here. I'm district side. This Pakol. Ah, yes. And this? Khandor. And you are a student? I'm in 10th class. Salam alaikum. Paka paka. Ah, хорошо. Des œufs et des chaussettes. Des plaques, des chaussures. Tout est mélangé. Il y a du monde partout. Salam alaikum. C'est incroyable que ça soit ouvert. Il n'y a pas trop de militaires, il y a un petit peu de police. C'est tranquille, la confiance règne. C'est génial de pouvoir rencontrer des Afghans là pour la première fois. Il y a des jeunes qui viennent nous voir, il y en a certains qui parlent anglais, il y a plein de petits curieux aussi. Et après les adultes pour l'instant, ils sont un peu moins réceptifs, mais ils sont curieux quand même, ils nous observent. Allez, on continue. Encore une fois, un peuple tellement stigmatisé. Et pourtant, qui nous apparaît tout de suite si chaleureux. Les femmes tadjiks nous saluent avec leur plus beau sourire, mais leurs sœurs afghanes, elles, sont absentes depuis 3 ans déjà. On
ne peut ne serait-ce qu'imaginer toute la souffrance qu'ils ont traversée et qu'ils subissent encore aujourd'hui. Mais on peut apprécier chacun de ces sourires, car de chez nous, on ne les avait jamais vus. Salam alaikum. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Afghanistan. What's your name? Taiwan. Yeah. Where are you from, ma'am? France. France? Yeah. Yes. Paris. My brother is in the France. You speak Tajik? I speak Dari, person. Khairi mamnoun. Khoda hafez. Khaish mikonam. Salam. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Where are you from? And you? Tajikistan. The first time I'm here. Yes. You like it? Of course. It's nice to see people relationship. Together. Et je pense qu'il est trop petit. Je pense que c'est élastique. Ou alors c'est juste posé sur la tête. Mais il y en a un qui ça fait rien. Salam alaikum. Mantou. It's national. From Afghanistan? Yes. Yeah. Business, business. Business, business man. Business man. From Afghanistan? From Afghanistan, Badakhshan province. Welcome. Farsi Baladi? Yes. Chitori? Khubasan. Thank you. Khuda Hafez. Dans un tel moment de partage, gorgé d'humanité, les émotions sont fortes. On est ému et on voudrait écouter les histoires de chacun, ou encore passer ce pont, et ne revenir que lorsque l'on pourra nous aussi vous raconter leurs histoires. Avronina et famille, j'adore toute cette effervescence. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. Dès qu'on fait un truc, il y a les gens qui nous regardent. Ça nous rappelle l'Irak un peu, et c'est bon moment quoi. Et les gens sont vraiment très sympas. Les marchés frontaliers entre l'Afghanistan et le Tadjikistan sont essentiels à l'économie régionale, car les communautés des deux côtés vivent dans des zones très isolées et confrontées à la pauvreté. Ils renforcent également les liens entre ces deux peuples qui, en réalité, ne sont pas si différents. How are you? What's your name? I'm a student. What's your name? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. My name is Habibullah, I'm from Afghanistan. I'm one of Afghanistan's students at Kalin University. We are coming to Tajikistan for cross-border market, and our relations is very good, and we are same nations, we are Tajik. Do you speak Tajik? Yeah. We don't have any difference between each other. Just this river make us separate. And which language do you speak in Afghanistan? In Afghanistan, living many nations like Pashtun, Uzbek, Farsi, Tajik, Azara, Aymak. Is it safe to visit Afghanistan for us? Nowadays, I think it's safe, but some our domestic problem in Afghanistan exists now. I think in the future, I hope to solve this problem, and you, inshallah, come to Afghanistan and visit in all across of Afghanistan. I can't give you any insurance to go to Afghanistan because there is no official government. And what is your dream after? What do you want to do? I'm working in an international organization in Afghanistan. Thank you very much, sir. Thank you. I'd like to meet you. Thank you. Mamnoun, khairi mamnoun. Thank you. Ça y est, on vient juste de sortir. C'était hyper intense. C'est un tout petit marché, mais le monde et le monde qui s'amasse autour de nous aussi. Ça fait dire encore une fois que voilà les pays qui pourraient, en tout cas qui nous font le plus peur au monde, et ben il y a les peuples les plus accueillants. Et là, on a quand même retrouvé la chaleur de la population iranienne, irakienne. On est vraiment content d'avoir pu visiter ce petit bazar. Ça leur permet d'avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Bon voilà, on est en route vers Dushanbe. On va traverser toute la Pamir Highway. J'avoue qu'au début c'était compliqué, c'était des grosses pistes défoncées, des montagnes désertiques. Et là on finit en beauté avec une diversité de paysages incroyable. En fait, ce qui est assez fou dans ce pays qui était la république la plus pauvre de l'Union soviétique et qui est toujours le pays le plus pauvre d'Asie centrale et de loin. Et ils sont tout juste en train de reconstruire ou de construire les routes principales du pays. Le truc c'est que les montagnes sont tellement abruptes que parfois il y a des cailloux énormes qui tombent et ça détruit tout et il faut les refaire encore et encore quoi. Et c'est tellement intéressant de découvrir ces pays qui sont complètement méconnus. En tout cas pour notre part, on connaissait rien du tout du Tadjikistan. Et c'est aussi ça la richesse du voyage. Il y a non seulement les rencontres avec les peuples, d'ailleurs les Tadjiks sont absolument adorables. Et en plus de ça, on découvre des pays, l'histoire des pays, l'histoire récente, l'histoire ancienne, la langue qui est parlée. Tellement intéressant, les capitales, les religions, les paysages. Et toi, tu plonges dedans pendant plusieurs semaines et t'apprends tellement de choses. À bientôt.